Bonjour à tous. On se retrouve en ce week-end du 24 septembre hein, pour continuer l'installation. Aujourd'hui, j'ai attaqué l'installation de mon coin forêt. Hein. Ce matin, j'ai commencé par tailler toute la haie de sapin. Hein. Vous voyez que tout est bien taillé. Ça fait beaucoup plus propre hein, comme ça. Donc ça aussi, hein, ça fait partie de la préparation des décos de Noël. Hein. Tailler, nettoyer avant d'installer. Hein. J'ai tondu la petite partie là, tout bien propre. Et là, j'ai commencé à installer mon géotextile. Et ce soir, je commencerai déjà à poser quelques sujets. Hein. Donc voilà, j'ai remis en place la branche de saule. Et là, je vais attacher, toujours pareil, hein. Avec les agrafes, je vais attacher le voile d'hivernage. Donc voilà, un voile d'hivernage de 10 mètres que j'ai coupé en deux. Hein. Ça me fait deux bouts de 5 mètres par 1,60 m de large, je crois. Donc voilà, je vais installer tout ça. On voit mon ombre là. Coucou! Et je vous montrerai l'avancée de ce soir à la nuit. Voilà. Et on profite du soleil hein, parce que la pluie avait été annoncée, mais pour l'instant, c'est le soleil qui est là. Allez, ciao, ciao. Donc voilà. Hein. Là, je vais m'apprêter à poser déjà les sujets. Hein. Comme ça, la nuit va tomber, je vais pouvoir allumer et puis bien positionner les choses. Hein. Je vous montrerai quand j'aurai fini tout à l'heure. Et là, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, j'ai remis les prises comme ça. Donc, c'est vraiment idéal pour brancher ce genre de sujet à l'extérieur. Hein, donc, comme l'année dernière, j'ai remis des tuteurs avec un tubéro en large. Et j'ai pu accrocher toutes des prises IP44. Hein. Voilà, là, je vais encore en mettre une. Et j'ai de quoi brancher tous les sujets de la banquise. Hein. Voilà. Et au moins, les prises vont être discrètes. Et il n'y a pas besoin de plus. De protection que ça, hein. Les clapets sur le dessus suffisent. Hein. Voilà. Donc elles sont toutes reliées comme ça. Et comme ça, je peux brancher l'intégralité de mes sujets dessus. Hein. Donc voilà, là j'en ai mis pareil. Hein. J'en ai mis ici, j'en ai mis ici. Donc voilà, j'ai déjà installé la première branche de saule. Ici, un panneau avec marqué Noël. Donc voilà. Hein. Dès que la nuit sera tombée, je mettrai en marche et je commencerai à positionner les sujets, hein, les acryliques. Pour bien se rendre compte, hein, je préfère travailler la nuit hein, sur les sujets, comme ça on se rend compte de leur orientation et tout ça, quand c'est allumé. Hein. Donc voilà, donc déjà toutes les prises là vont être installées pour pouvoir alimenter la partie forêt. Allez, je vous montre ça tout à l'heure. Donc voilà, c'est sur ce petit test nocturne que se termine. Cette première partie de la forêt, hein, du coin forêt. Hein. Donc j'ai réinstallé déjà pas mal de choses. Hein. Il m'en reste encore pas mal. Donc voilà. Hein. Donc ce qui est nouveau cette année, les petits écureuils ici. Hein. On a donc le papa, la maman écureuil avec les bébés écureuils. Hein, qui est nouveau, hein, que j'avais acheté lors des soldes de l'année dernière. Voilà. Ici les barrières. Mon panneau Noël. Je vous ferai une petite vue d'ensemble à la fin. La vache. Les deux petits moutons. Faut encore que je remette mon gros saule pleureur. Des renards par-ci par-là. Un hérisson. Un petit lapin. Donc voilà la vue dans le sens là. Hein. Là je suis un peu déçu, mes trois champignons là ils fonctionnent plus. Je pense que les LED ont dû cramer à l'intérieur. Je vais voir si j'en retrouve une paire comme ça de trois champignons parce que j'aimais bien. Je vais voir ça, si je retrouve ça plus dans les jardineries au mois de novembre, je regarderai. Donc voilà. Donc quelques sujets.
ont déjà été branchés. Je vais vous faire une vue d'ensemble. Voilà. Donc les gens se positionnent là pour regarder. Voilà pour cette première partie du coin forêt. Allez, ciao ciao, à plus!